Bonsoir, bienvenue à tout le monde. C'est la dernière séance et cela va être un peu différent des autres séances et cela pour quelques raisons. Cette séance sera diffusée en direct en français grâce à l'interprétation simultanée. Je tiens à souhaiter les bienvenus à tout le monde ici. Vous êtes nombreux. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui écoutent en ligne. Vous êtes peut-être chez vous. Donc c'est très bien que les gens puissent participer. Le déroulement sera un peu différent par rapport aux autres séances, parce que cette séance est diffusée en ligne. Nous avons quelques membres du personnel, nous avons une excellente équipe de communication Nouvelle-Écosse. Et si je ne parle pas assez fort, je porte un micro, mais c'est pour les fins de la diffusion de la web émission. Si je ne parle pas assez fort, il faut me le dire. Il y a une personne que je voulais présenter. Vous aimez peut-être parler à cette personne après si vous avez des questions sur Énergie Nouveau-Brunswick ou Énergie Nouvelle-Écosse plutôt. Bob, au fond de la salle. Il va rester à la fin de la séance pour répondre aux questions si vous avez des questions précises sur Énergie Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Power. Normalement, je vais l'exposer en fin de séance. Ensuite, on passe aux questions et aux réponses. Mais le déroulement sera un peu différent cette fois-ci. Je vais faire l'exposé. Ensuite, je vais répondre aux questions envoyées en ligne. La webmission a commencé il y a quelques instants. Nous recevons déjà des questions. Ensuite, on passera à l'atelier. Et à la fin, il y aura des questions à la fin pour les gens qui sont ici dans la salle. C'est pour mettre fin à la webmission pour que les gens n'aient pas à rester chez eux pendant l'atelier. Mais si vous êtes dans la salle, vous aurez la possibilité de participer à l'atelier et de poser des questions. Sur votre table, vous avez un petit dispositif pour répondre aux questions. Ne les apportez pas avec vous. Si vous n'avez pas de dispositif, faites signe et Amber vous donnera un dispositif. Donc, parfois, lorsqu'on pose une question, quelle équipe de hockey préférez-vous? Il y a des gens qui disent Toronto Maple Leafs, mais qui ne voudraient pas le dire publiquement. Donc, en utilisant le dispositif, vous pouvez indiquer votre réponse. En 2013, le premier projet de loi adopté par notre gouvernement était la loi sur la réforme du réseau d'électricité. Donc, nous passons par un processus à l'heure actuelle pour permettre la vente de l'énergie directement aux clients par d'autres fournisseurs. Et depuis plus d'une décennie, nous examinons notre avenir en matière d'électricité. Il y a plusieurs possibilités. Vous allez voir cela ce soir. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a pas de mauvaise réponse. Il s'agit de possibilités tout simplement. Et au bout du compte, c'est aux gens de la Nouvelle-Écosse de prendre la décision. C'est la dernière séance. Je vous donnerai les réponses fournies par d'autres gens dans la province. Comme vous pouvez l'imaginer, à Digby, lors de la première séance, tout le monde voulait que l'on accorde priorité à l'énergie marémotrice. Au Cap-Breton, la réponse était différente et on en parlera un peu plus tard. Il y a trois domaines qui ont fait l'objet d'études. Ces études peuvent se retrouver en ligne. Les trois domaines clés, l'offre et la demande, les nouvelles technologies et la gouvernance, la surveillance et le modèle du marché. Il y a un résumé de ces études en ligne. Vous allez voir aussi les résultats de ces études, les conclusions tirées. Et ces études vous donnent le contexte.
et certaines opinions sont exprimées, mais il vous est important de savoir ce que les experts ont dit. Et c'est la deuxième phase. La première phase, c'était la phase des études. La deuxième phase, une discussion publique, les pour, les contre, les différentes possibilités. Et la troisième phase, nous allons parler à certains des intervenants clés, les ingénieurs, les gens responsables de la réglementation, de la technologie, etc. Et nous allons afficher en ligne leur rétroaction. Et cela vous donnera la possibilité de voir les différentes réactions à travers la province. Et lors de certaines réunions, il y a une table, un groupe qui dit quelque chose de tout à fait différent de l'autre groupe. Donc, nous allons avoir l'occasion d'entendre vos réactions et vos réponses. Envoyez vos réponses. Nous les intégrerons au rapport et au mois de mai. Nous allons présenter les résultats, les commentaires que nous avons entendus à travers la province. Et j'espère que sera possible de déterminer certaines catégories. Et au mois de septembre, nous allons publier le plan en matière d'électricité pour la Nouvelle-Écosse. Donc aujourd'hui, on fait le projet pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas pour demain. Cette planification a déjà été faite il y a des années. Par exemple, pour les années 80, on a vu Pointe-à-Conny. La production d'électricité que nous voyons aujourd'hui est le résultat. Mais les décisions que nous prenons au cours des prochaines années auront une incidence sur notre avenir d'ici quelques décennies. Et nous avons effectué des études techniques sur le niveau technologie, la gouvernance et les tendances du marché. C'est la 11e séance, la dernière séance. C'est une occasion d'entendre, de faire participer tout le monde à travers la province, en personne ou en ligne. Nous allons donc commencer pour vous permettre d'utiliser les dispositifs. Et pour les gens en ligne, vous aurez la possibilité de participer. Nous allons afficher un sondage beaucoup plus détaillé plus tard. Nous avons essayé de faire en sorte que les gens qui écoutent puissent participer directement, mais vous aurez la possibilité de répondre à un sondage beaucoup plus détaillé plus tard. Si vous ne savez pas lire les questions, voilà ça. Voici A, je vais apprendre davantage au sujet du réseau d'électricité. B, je veux réduire les tarifs d'électricité. C, je crois que nous devons utiliser plus d'énergie renouvelable. D, je veux suggérer un changement à Nova Scotia Power. E, toutes les réponses ci-dessus. F, aucune de ces réponses. Donc, vous choisissez votre réponse et vous cliquez. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et il y aura des questions plus difficiles un peu plus tard. On ne dira pas à la fin de la séance, 300 personnes ont assisté. Tant de personnes ont dit qu'ils veulent mettre l'accent sur l'énergie renouvelable. Non, c'est tout simplement pour nous donner une idée de vos réponses. Bon, comme vous voyez, c'est la réponse C. Je crois que nous devons utiliser plus d'énergie renouvelable. Certaines personnes ont dit aucune de ces réponses. Quelques personnes ont dit toutes les réponses ci-dessus. D'autres qui veulent réduire le tarif de l'électricité. Et d'autres qui veulent apprendre davantage au sujet du réseau de l'électricité. D'autres qui suggèrent des changements à Nova Scotia Power. Donc, vous choisissez votre réponse. Et voici ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Les études effectuées démontrent qu'il y a probablement suffisamment de sources d'électricité jusqu'en 2030. Donc, il ne s'agit pas de trouver de nouvelles sources de production d'ici 2030. Nous répondons à tous les règlements. Et vous verrez, l'année 2030, c'est une année magique. Parce qu'en 2030, beaucoup des accords déjà en place vont arriver à échéance. On ne sait pas quelle quantité exacte d'électricité sera nécessaire. Et voilà pourquoi nous parlons de 2030 et au-delà. Nous allons parler de l'innovation, des avantages, mais à quel prix? Donc, il vaudrait peut-être la peine d'investir, peut-être non.
Mais un marché entièrement ouvert n'est pas encore pratique. Sans réglementation, cela ne va pas fonctionner. Nous avons 950 000 résidents. Donc, le marché est assez petit. Il faut assurer un meilleur accès aux autres marchés. Et un dernier élément, le modèle actuel du coût du service est de moins en moins courant. Et quand vous recevez votre facture d'électricité, la Nouvelle-Écosse se présente à la commission d'examen. Nous devons payer tant, il y a toute la question de l'amortissement, etc. Et voici le coût des salaires. Et voilà les composantes de la facture. Mais on ne parle pas du rendement, de la fiabilité ou de la sécurité ou des éléments semblables. Donc, il y a beaucoup de ressorts qui s'écartent de ce modèle pour adopter un nouveau modèle. On en parlera. Donc, le modèle du coût du service, ça remonte à l'époque où on a construit des centrales nucléaires, des centrales au pétrole, etc. Maintenant, il y a toutes sortes de productions dans la province. Il y a un bon mélange. Et ce modèle du coût du service ne fonctionne pas comme il fonctionnait auparavant. Et vous ne voyez pas peut-être très bien au fond de la salle. L'an dernier, 64% de notre électricité est venue du pétrole et 4% d'autres sources, 12% du gaz naturel. Il y a une centrale au gaz naturel dans la province à Dartmouth qui brûle le gaz naturel ou le Bunker C. Mais cela dépend des règles environnementales, etc. On ne vous entend pas au fond de la salle. Donc ici, je ne parle pas assez fort, il faut me le dire. On veut éviter la différence. Donc d'ici 2020, nous serons à 20% d'énergie renouvelable. Ça a été approuvé, c'est déjà en cours. 23% importé, le gaz naturel, 10% le pétrole, le charbon, 20%, une chute assez importante. Et il y a une zone entre le gaz naturel et le pétrole, ça va dépendre des exigences environnementales, etc. Il y a donc deux cibles d'ici l'an prochain. Il faut assurer 25% d'énergie renouvelable et nous allons atteindre cet objectif. Et nous sommes presque là à l'heure actuelle. 2020, 40% d'énergie renouvelable, nous aurons dépassé 50% d'ici là. Et c'est une des questions qui a été soulevée lors de plusieurs réunions. Et les gens pensaient en arrivant aux réunions, il faut approuver toutes sortes d'énergies renouvelables afin d'atteindre ces cibles. Mais il y a déjà assez d'énergie renouvelable approuvée. Il y a des projets comme South Canoe, etc. Et nous allons donc dépasser ces cibles. Et ça, de façon importante. Bon, il y a plusieurs facteurs qui ont une incidence sur l'offre d'électricité, les exigences environnementales fédérales, les règles régissant l'émission de mercure, par exemple. Le fédéral a lancé des règles sur l'utilisation de charbon. Et nous attendons à ce qu'il y ait des règles sur la production de gaz naturel d'ici quelques années. Il y a aussi des exigences à l'échelle internationale qu'il faut respecter. Il y a certaines sources renouvelables qui ont besoin d'une source d'appoint. Ils ont pris un projet à Brooklyn. Ils utilisent l'air comprimé. C'est une technologie très intéressante, élaborée par une jeune femme, Daniel Vaughan, de Dartmouth. Donc, une technologie très intéressante. Mais il faut l'assurer sur une plus grande échelle. Et les contrats d'énergie éolienne arrivent à échéance. Donc, les prises éoliennes étaient à Pompnico. Maintenant, il y a concurrence avec le charbon pour ce qui est du prix de production. Et d'ici quelques années, cet accord va arriver à échéance et nous aurons des décisions à prendre. 2030 est important, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui vont arriver à échéance vers 2030. Et cela devient une question très importante à ce moment-là. Il y a le coût de la construction, par exemple. On pourrait voir le coût de certains de ces contrats diminuer de façon importante, parce qu'il s'agirait de l'exploitation continue de l'infrastructure qui existe déjà.
Et nous comprenons tous la volatilité et la solitude des prix. Et vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé depuis quelques jours à l'échelle mondiale. Donc, on n'a pas encore l'énergie de Muscat Falls. Ça nous permettra d'assurer des liens à d'autres marchés, nous donnant accès à d'autres sources. Et nous pourrons assurer d'autres sources d'énergie renouvelable comme résultat. Donc voilà quelques possibilités. Je sais que vous ne voulez pas choisir une seule possibilité, mais quand vous choisissez votre source d'énergie, quel facteur est le plus important dans l'environnement, le développement économique? Bon, cela pourrait dire deux choses. Un programme qui a été conçu pour créer des possibilités, des débouchés économiques dans certaines collectivités. Mais les centrales au charbon ont été créées comme une possibilité pour le capoton. Il y a aussi le coût immédiat, le coût à court terme, et ensuite les taux stables et prévisibles. Le coût immédiat n'est peut-être pas aussi important que les taux stables et prévisibles. Ou est-ce que c'est la sécurité énergétique qui est le facteur le plus important? C'est-à-dire que nous voulons produire assez d'énergie en Nouvelle-Écosse que nous n'aurions pas à nous inquiéter à l'avenir. Choisissez donc la réponse qui vous semble être la plus importante. Je sais qu'il y a d'autres facteurs. Il y a beaucoup d'autres possibilités aussi. Donc, vous voyez un mélange un peu différent, environnement, 49%. C'est intéressant. J'avais dit que je vous dirais ce qui s'est passé dans les autres régions. À Digby, on a parlé de l'environnement. Dans d'autres régions, on a parlé surtout des taux stables et prévisibles. La sécurité énergétique était surtout importante à Antigonish. Donc, les réponses varient d'une région à l'autre de la province. Ça dépend des gens qui assistent aux séances. À Port Hawkesbury, par exemple, si je me trompe, c'était le développement économique qui a été jugé le facteur le plus important. Et voici les résultats à l'échelle provinciale. Et si on ne compte pas cette séance, donc les taux stables et l'environnement et le développement économique et la sécurité énergétique se retrouvent dans une brochette de 20 à 30%. Je ne vous dirai pas que ces réunions représentent l'échantillon pertinent. Bon, je ne savais pas qu'on allait montrer ce graphique. C'est très bien. Donc, une question à laquelle vous répondez, quelle quantité d'électricité est nécessaire? Une question difficile. Parce qu'il faut faire des projets pour les décennies à venir. Que l'on parle des éoliennes ou d'une centrale au combustible fossile. Bon, selon les dernières prévisions, nous voici en 2014 et cela va jusqu'en 2040. Il faudrait peut-être augmenter jusqu'à 13 TWh. Nous en sommes à 11 TWh à l'heure actuelle. Ou cela pourrait chuter à 8 TWh. Ce serait un problème pour nous parce que nous essayons de planifier l'avenir sans savoir quelle quantité d'électricité sera nécessaire. Mais on dirait que ça va être plus ou moins au milieu. Mais voici les facteurs qui entrent en ligne de compte. Si tout le monde achète une voiture électrique, il faudrait beaucoup plus d'électricité dans cette province pendant la même période. Et ce serait peut-être une bonne chose. Difficile à savoir. Mais il faudrait produire cette électricité. Ou s'il y a d'autres industries, par exemple, on l'a vu dans le cas de Bowater. Et ce qui est arrivé par la suite. Donc, l'usine de pâte et papier utilise quelque 11% de notre offre. Et il y a aussi la taille des familles, la croissance de la population, la situation démographique. Ce sont des facteurs qui sont difficiles à prévoir. Un autre défi à relever, l'hiver, comparativement à l'été. Donc, le coût de l'électricité augmente en hiver. Donc, nous devons chauffer nos maisons. Nous utilisons 22 MW d'énergie en hiver, mais 700 seulement en été. Et on pourrait dire, bon, nous sommes très efficaces en été, on n'a pas l'air conditionné, on ouvre les fenêtres. Mais ça représente un problème pour nous et ça nous rend difficile la planification de l'avenir. Nous devons faire des projets pour un avenir nous permettant d'assurer
2200 MW, mais nous ne voulons pas payer 2200 MW pendant l'été. Bon, évidemment, on n'en aurait pas besoin. Il y a donc différentes solutions de rechange. On peut produire l'énergie pour l'exporter et le Maritime Link nous permettra de le faire. Il y a aussi d'autres possibilités, d'autres types de production et l'efficacité énergétique dont on parlera dans quelques instants. On peut choisir d'autres sources pour le chauffage. Mais certaines de ces questions sont difficiles. On pourrait modifier les règles, par exemple, relativement au chauffage des maisons. On ne permettrait pas les chauffettes électriques, mais il y a toujours beaucoup de blocs appartements. Les vieux systèmes de chauffage. Et donc, il y a un fil électrique qui doit être chauffé. C'est la façon la plus inefficace de chauffer votre maison. Et c'est un problème pour nous. Parce que vous ne voulez pas payer la production d'énergie dont on n'a pas besoin. Et pour ce qui est du stockage, il est difficile de stocker d'une saison à une autre. On peut stocker l'énergie pendant quelques jours seulement. Et voici, voilà pourquoi l'innovation est importante. On peut changer la façon de glisser, de gérer l'électricité, on peut changer la façon de produire l'électricité. Bon, tous les gens dans la salle comprennent qu'il y a différentes sources d'énergie, l'énergie géothermique, solaire, éolienne, marémotrice, où on peut changer la façon de gérer l'électricité, par exemple le réseau intelligent. Il y a maintenant de nouvelles possibilités. On peut changer la façon d'utiliser l'électricité. Il y a les taux multiples en fonction de l'heure. Il y a des périodes de pointe pour l'électricité. Quand vous rentrez, par exemple, le soir, si vous préparez votre repas en utilisant un point électrique, ça va coûter plus cher à l'heure du souper. On pourrait faire la lessive, par exemple, les soirs ou en fin de semaine. On peut utiliser un compteur pour les lave-vaisselles. Donc, nous devons réfléchir aux sources d'électricité. Il y a plusieurs façons de produire l'électricité, mais voici les solutions proposées surtout en Nouvelle-Écosse. On parle surtout du charbon, du pétrole à l'heure actuelle. Et nous savons que cela va devenir moins important à l'avenir. On ne construit plus de centrales au charbon. Bon, A, énergie solaire, les éoliennes, le charbon, énergie marémotrice, hydroélectricité importée, le gaz naturel, la biomasse et H, sources diverses. Il y en a une centaine. La question n'est peut-être pas juste, mais à chaque fois qu'on pose une question, il y a une autre personne qui n'appuie pas sur le bouton. Et voilà. Et je présume qu'il y a un graphique. Bon, il y a qui prend Liège, l'énergie solaire. Donc, à Digby, tout le monde a parlé de l'énergie marémotrice. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que ailleurs dans la province, la plupart des gens ont choisi les sources diverses. Et vous pouvez voir les détails de ce graphique au site web. Nous avons choisi quelques éléments. Il y a peut-être une carte sur certaines tables avec ce graphique. Mais on peut très bien se demander si le graphique est exact. Et si vous avez un intérêt particulier, vous avez des arguments à présenter. Mais voici le résultat de nos études. Nous avons tenu compte des moyennes à travers le monde. Il y a toujours une question qui se pose lors des séances. Pourquoi on ne parle pas d'énergie marémotrice? C'est parce qu'à travers le monde, on ne trouve pas un bon exemple. Il faut toujours allumer les lumières, etc. Et si nous pouvons changer notre production, ça va nous économiser de l'argent. Donc, l'énergie géothermique, la biomasse, on parle ici d'une échelle commerciale. La biomasse, les éoliennes, l'hydroélectricité, gaz naturel combiné,
énergie nucléaire, le charbon, le solaire PV, les piles de combustible et l'énergie thermique. Ça vous donne tout simplement une orientation. Donc, vous voyez toutes les possibilités. Le gaz, par exemple, le prix monte et descend. Et c'est la même question qui se pose. Est-ce que cela change votre choix? La meilleure source d'énergie pour la Nouvelle-Écosse. Bon, un petit changement. Et le résultat est le même partout. Nous avons réfléchi peut-être à la possibilité de retirer cette question, mais ça m'illustre bien que nous avons présumé certaines choses. On pensait qu'on poserait la première question et tout le monde choisirait l'énergie solaire, éolienne, etc. Donc on avait pensé qu'on aurait pourtant choisi le charbon, l'énergie même entrée, celle du etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est une expérience d'apprentissage. Beaucoup de gens ont choisi les sources diverses. 59% de tous les gens, avant cette réunion, ont choisi les sources diverses. Et 11% ont choisi l'énergie même motrice, les gens à Digby. Donc, tous les gens à la réunion ont choisi l'énergie même motrice à Digby. Donc, voilà ce qui arrive si on choisit bien le moment. Mais l'avantage des sources diverses, c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle. Pour le charbon, les augmentations du coût sont le résultat de l'augmentation du coût du charbon. La plupart des gens comprennent cela. Les coûts d'expédition changent. Nous savons que nous avons été touchés par les prix du gaz naturel. Donc, si on a les sources diverses, c'est comme un fonds mutuel. On achète toutes sortes de choses pour assurer un bon mélange. Deux derniers éléments que je voudrais mentionner brièvement. J'ai mentionné les réseaux intelligents. Je parlerai maintenant de technologie intelligente. Ça vous permet de profiter des occasions, surtout dans le domaine de l'énergie même motrice. Par exemple, d'ici 15 ans, on peut connaître la vélocité, à quelle heure la marée monte, à quelle heure la marée va descendre. On peut prévoir toutes sortes de choses. Mais on ne peut pas faire cela pour les autres sources d'énergie. Donc, ce ne serait peut-être pas tellement utile. Il y a des gens qui disent, bon, je pourrais bien planifier la fabrication en tenant compte de cette information. Mais l'énergie éolienne, si on améliore le réseau, si on adopte un réseau à l'échelle de l'Atlantique, à l'échelle des provinces maritimes, on pourrait avoir de l'énergie éolienne dans le nord de Brunswick. On pourrait apporter le changement. Il y a toutes sortes de possibilités. Et on peut éviter aussi les pointes en hiver. Et c'est grâce au réseau intelligent. Et on peut aider les gens à gérer l'utilisation de l'électricité. Bon, une dernière question, c'est la question de gouvernance. Notre marché est assez petit. Tout le monde comprend cela. Nous ne sommes pas New York. Nous ne sommes pas l'Ontario. Nous ne sommes pas la Californie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n'avons pas de solution de rechange. Il y a des possibilités, des micro-réseaux par exemple, des possibilités qui n'existent pas dans d'autres régions. Mais on peut aussi tenir compte des règlements axés sur le rendement. Et la réglementation basée sur le rendement, et voici l'idée de base, certaines choses sont très importantes. Au lieu de parler de rendement ou de profit ou de recettes, en tenant compte des coûts, il y a des incitatifs qui sont intégrés aux tarifs. Donc, la longueur des pannes, par exemple, la fréquence des pannes, la sécurité pour le public, pour les gens qui travaillent, la communication avec les clients et les cibles environnementales. Donc, ce sont des normes de rendement qui sont peut-être importants.
Il y a 100 autres possibilités. Et vous n'aurez jamais de taux basé sur un seul facteur. Il y aurait une matrice. Donc, tel élément vaudrait tant de points, un autre élément vaudrait tant de points. Donc, on essaie de gagner des points dans différents domaines. Et si vous le faites en utilisant un facteur, le service public écarte tous les autres facteurs. Et voici, 61% cible environnementale, durée des pannes 5%, communication 13%. Et voilà quelques-uns des résultats. À l'échelle provinciale, il y a tout un mélange. La fréquence des pannes, 30%, durée des pannes, 15%, 11% sécurité, 14% communication avec le public. Donc, dans cette salle, 61% ont choisi les cibles environnementales. Mais avant d'arriver ici ce soir, on était à 31% à l'échelle de la province. Et comme vous pouvez très bien le constater, il y a des différences entre les régions de la province. Mais au ministère, nous voulons trouver une solution pour tous les gens de la province, pas seulement pour les gens qui habitent à Halifax, à Pictou ou ailleurs. Il faut une solution pour toute la province. Et voici les facteurs que j'ai mentionnés. Il y a plusieurs facteurs qui ont une influence sur le coût de l'électricité. Le prix des combustibles, la combinaison de sources de combustibles, le coût de l'énergie, les exigences environnementales, les investissements en capital, rien n'est gratuit. Donc, tout cela pour vous dire que rien n'est gratuit. Et ensuite, les coûts d'exploitation. Donc, que vous soyez à Antigonish ou ailleurs dans la province, voici la facture d'électricité résidentielle. Quel facteur aurait le plus grand impact? L'investissement dans l'électricité renouvelable, les salaires et avantages sociaux de l'entreprise, le taux de rendement pour les actionnaires, le coût du carburant, le programme d'efficacité énergétique. Quelle est la plus grande incidence sur votre facture d'électricité? Bon, le coût du carburant. Bon, normalement, les gens comprennent cela à l'échelle de la province. Il y a seulement une région où on a choisi une autre réponse. Mais les gens se rendent compte, pour la plupart, que le carburant coûte cher. Donc, si votre facture d'électricité est de 100 $, voici la ventilation. 38% le coût de production. Et 30 $ le carburant. 30% de votre facture, c'est le coût du carburant. Que l'on parle du charbon, que l'on achète l'énergie des turbines avant, les éoliennes, et 8,30 $, c'est le transport, la distribution. Bon, si vous êtes à Antigonish, par exemple, vous recevez votre électricité de Antigonish, de Berwick. Donc, ensuite, le prix du détail. Quand vous téléphonez à la ligne de service à la clientèle. Ensuite, le salaire de direction. C'est assez bas. Et les gens ne se rendent pas compte. Il y a un an et demi, toutes les formations politiques à l'Assemblée ont adopté un projet de loi pour limiter les salaires de la direction que l'on peut imputer à la facture d'électricité des clients. Oui, c'est une bonne question. Pour les gens en ligne, comment payent-ils les actionnaires? Il y a un taux de rendement et voici, c'est le profit qui est versé aux actionnaires. Mais ce qui est important à comprendre, et je ne dirais pas si c'est trop élevé ou trop bas, on pourrait avoir toute une discussion sur la question, mais il y a des gens qui investissent dans l'entreprise. Ça nous permet de mobiliser du capital pour construire une centrale pour faire des mises à niveau. C'est comme aller à la banque et demander un prêt.
Ensuite, il y a une partie qui ne vient pas des tarifs. Ils font aussi des dons aux organismes caritatifs. Il y a aussi la question de dividende. Moi, il y a des gens qui disent on peut réduire ce montant. Oui, on pourrait faire n'importe quoi. Tout est possible. Mais quelle serait la solution magique si quelqu'un d'autre doit payer le coût du capital? Donc, si nous voulons raison intelligente, quelqu'un d'autre doit payer. Et c'est pour vous donner une idée de la ventilation de la facture d'électricité. Et on parle d'une facture résidentielle. La situation serait un peu différente pour le secteur industriel, etc. Et on pourrait en discuter longuement. Il y a des questions? Donc, nous allons répondre à quelques questions maintenant. 10 minutes pour répondre aux questions envoyées en ligne. On passera ensuite à l'atelier. Donc, à ce moment-là, les gens qui sont en ligne ne vont pas être là. Moi, je suis diplômé de l'Université de Dalhousie. Et voilà. Amber a plusieurs questions. Bon, première question. Une bonne question. Si on ferme, par exemple, si les gros clients industriels ferment, est-ce que c'est la décision du Northern Pulp, le résultat de la décision? C'est une question assez longue qui concerne les grandes entreprises et les règlements environnementaux. Northern Pulp produit la plupart de son électricité. Donc, il y a très peu d'incidence sur le réseau. Bon, je parle évidemment des tarifs. Il y a des incidences à Pictou. Mais ce n'est pas comme Bowater ou Port Hawkesbury Paper qui consomme beaucoup d'énergie. Donc, on pose la question, est-ce que ce serait un facteur qui entrerait en ligne de compte? Non, pas vraiment. Ce n'est pas un facteur dans notre prise de décision. Mais dans le cas de Port Hawkesbury Paper, c'était un élément pris en ligne de compte, à savoir si on devrait accorder un tarif spécial. Donc, c'était un élément pris en considération par le Conseil. Maintenant, une question sur l'avenir marémotrice. L'avenir de l'énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse. Bon, nous recevons la conférence internationale sur les océans et l'énergie, la première fois que la conférence est tenue à l'extérieur de l'Europe. Des gens de partout au monde vont venir ici pour discuter de cette énergie marémotrice. Et demain matin, on va commencer à poser un des câbles qui mène à Barsborough. Donc, l'avenir serait assez rose. Il y a des compagnies assez importantes à travers le monde et croient pouvoir réduire le prix pour être concurrentiel au prix de l'énergie éolienne. On parle de 300 MW de production dans la baie de Fundy, donc c'est une estimation assez conservatrice. Il y a aussi ce qu'on dépense en Nouvelle-Écosse. On parlerait de 50 milliards de dollars en dépenses, une industrie assez importante pour la Nouvelle-Écosse. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on pourrait le faire. Bon, l'avenir de l'énergie marémotrice dans notre mélange de sources d'électricité. Mais voici un des défis. Il y a une pointe à toutes les 11h30. C'est un défi. Et si vous allez fonctionner à cette échelle, une partie d'énergie serait exportée. C'est la seule façon que ça pourrait fonctionner, mais ce serait un avantage pour les abonnés en Nouvelle-Écosse. Quel serait le pourcentage? Difficile à dire à ce moment-ci. On essaie de faire des prévisions, mais les grandes entreprises comme Siemens, Lockheed Martin, Shuttle, Amira, Open Hydro, bon, il y a une convergence vers 2030. Donc, d'ici là, il pourrait passer à la production à une échelle commerciale. Donc, 2030, c'est l'année magique. Mais je ne voudrais pas deviner le pourcentage.
Est-ce que les pièges rationnels, est-ce que ça nous donne l'idée des coûts? Est-ce que nous avons des données sur l'énergie renouvelable et l'efficacité? Bon, voici l'essentiel de la question. Le tableau qu'on vous a montré représente les prix à l'échelle nationale, mais quel serait le prix local? Donc, nous sommes très concurrentiels si on fait une comparaison à l'échelle internationale, du moins du point de vue de la production. J'ai rencontré récemment le gouvernement du Québec et les contrats d'énergie éolienne coûtent beaucoup moins cher que les contrats au Québec. Donc, c'est semblable au coût à l'échelle internationale. Si on parle d'efficacité énergétique, nous avons déjà opté pour les solutions les plus faciles. Vous pouvez aller à l'Assemblée et voir des lumières incandescentes. Maintenant, on parle des options qui coûtent plus cher, changer les moteurs dans les usines industrielles. Et tout dépendra bien sûr des normes qui s'appliqueront aux bâtiments à l'avenir. Maintenant, le rôle de l'énergie solaire. Moi, je savais qu'on allait poser cette question en ligne ou dans la salle. Ils lisent les courriels au fur et à mesure. Il y a des gens qui sont sur Twitter aussi. Bon, l'énergie solaire est très importante. Ici à Halifax, c'est très important. Si on se promène, par exemple, à Halifax, on voit les Costco, les Walmart. Bon, ce seraient des candidats à l'énergie solaire. Mais la plupart de la production se fait en hiver. Mais pour l'énergie solaire, c'est l'été qui est la saison la plus importante. Nous avons un des meilleurs régimes au monde par rapport à l'énergie solaire. Mais si on va faire cela à plus grande échelle, nous produisons déjà trop d'énergie en été. Il faudrait savoir à quel marché on pourrait vendre cette énergie supplémentaire. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être privilégier l'énergie solaire thermique ou thermosolaire. Nous avons fourni du financement à la municipalité d'Halifax pour aider la municipalité à faire des études permettant de financer des panneaux solaires par l'entremise de son impôt foncier. Si vous n'avez pas le capital, si vous n'avez pas une marge de crédit, vous pouvez profiter de ce programme. Il y a donc un rôle pour l'énergie solaire, il y a les micro-réseaux, les compteurs, toutes sortes de possibilités. Est-ce que nous allons atteindre nos cibles? Quelles sont les prochaines étapes? Donc voilà de quoi il s'agit ici maintenant. Nous allons dépasser les cibles et nous avons étudié ce qui se passe en Europe et nous devançons de loin des pays comme l'Allemagne pour ce qui est l'énergie renouvelable. Et nous aurons beaucoup plus d'énergie renouvelable que l'Allemagne. Et pendant les années à l'avenir, nous allons utiliser moins de charbon aussi. Donc nous réussissons assez bien. Mais voilà, ça fait partie de la question. Quelle production voulons-nous maintenant? Non. On ne construit plus des centrales ou un charbon. Ça n'a pas de sens, surtout dans ce petit marché. Donc l'énergie renouvelable répond bien à une production moins importante. Oui, on parle du pourcentage de production de l'électricité. On parle en effet de pourcentage. Bon. Nous aurons le temps de prendre quelques autres questions. L'avenir de l'énergie éolienne sur une grande échelle. Donc, je réponds aux questions alors qu'ils écrivent les questions. L'avenir de l'énergie éolienne en province. Bon, à l'heure actuelle, le prix est moins élevé par rapport à d'autres ressorts. Bon, si vous ne connaissez pas le programme Profit, c'est l'énergie renouvelable à l'échelle de la communauté. Et nous avons aussi retiré la biomasse de ce programme. Il y a deux raisons à cela. Nous avons déjà assez d'électricité jusqu'en 2030. Et nous sommes en train de passer en revue le programme Conflict. Parce que nous avons dépassé les cibles relativement à l'énergie renouvelable. C'est très bien.
mais un débit relevé et nous avons plus d'électricité dans le réseau. Et si vous avez perdu l'électricité, il faut quelqu'un à qui la vendre. Et c'est une idée à l'heure actuelle. On ne propose pas de projet important à l'heure actuelle pour l'énergie éolienne ou pour d'autres sources de production. Il y a toujours des petits projets dans le cadre de Grand Prix. Mais moi, je dirais qu'on verra des projets importants à l'avenir. L'énergie éolienne et qui pourrait être exportée. Même si ça permettrait d'alimenter notre réseau. Et voilà, pour les 10 minutes de questions, nous allons continuer à répondre aux questions que nous recevons par courriel. Et quand nous publierons le rapport, nous allons donner réponse à toutes les questions que nous avons reçues. Et ça va être intégré au rapport qui sera publié d'ici quelques mois. Et si vous n'avez pas d'acclimatographie assez vite, je parle aux gens qui écoutent chez eux. Vous obtiendrez des réponses à vos questions. Certaines personnes ont répondu sur cette question. Nous avons répondu à quelques questions seulement. Donc, si vous participez à la web émission, merci beaucoup. Allez donc consulter notre site web. Vous pouvez envoyer vos commentaires et des éléments d'information. Donc, si vous êtes dans la salle, restez à votre table. Quelqu'un du ministère va venir animer votre séance. Je ne sais pas comment nous allons présenter un rapport à la fin. Et à la fin, le temps qui reste à la fin, nous pourrons poursuivre les questions et les réponses pour les gens qui sont dans la salle. Et si vous êtes arrivé en retard, nous avons reçu les questions en ligne en premier.